Bonjour, c'est encore Synup54. Je vais prononcer Synup pour un nouvel épisode de Let's Play Minecraft. Et aujourd'hui, nous allons faire un peu d'exploration de cave. Alors j'ai découvert une cave géniale là-bas. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu mis des torches un peu partout, histoire que les mobs ne spawnent pas en surface. À chaque fois que je me déplace, j'y vais un peu, là, je rajoute des torches. Bon, fail. Hop. Alors. Diriger vers ce pilier. Et voilà l'entrée de ma cave. Alors j'ai fait un petit escalier en colimaçon. Ici, faut pas que je me trompe, mettre une torche ici. Moi, je me suis trompé. Voilà, c'est par là. C'est une cave magnifique et j'ai voulu vous y emmener. Entendre quelques zombies, moi j'en ferai la chasse quand je pourrai. Alors il y a de tout, il y a de l'obsidienne, il y a de la redstone, il y a du charbon, j'espère trouver du diamant. Bah, je vais m'y attaquer, hein. Je vais tout de suite miner. Je vais miner la redstone avec mon superbe pic. Là, normalement, là je devrais avoir 15 de redstone, j'en ai 16, un de plus, je pense pas génial. Bon, eh bien je vous retrouve quand j'aurai trouvé du diamant. Et mais quel bordel! Je savais qu'il y avait une cave par là. Bon, désolé, je commande pas beaucoup. On ira voir là-haut ce qui se passe. Ah, bizarre. Ah, mais je suis déjà passé par là. Maintenant, j'ai fait le tour en fait. Bon, eh bien écoutez, je pense que le gros de l'action est passé. Je vais faire mon petit tour, je vais récolter mes ressources. Je vous retrouve.
voyez, je continue mon entreprise de caving. Caving. C'est très compliqué. Je vais me perdre. Je vais me perdre. Je vais me perdre. Voilà, on va mettre ça. Comme ça, peut-être que je me perdrai moins. On dit à Toulouse. Alors, oh là là là. C'est vraiment des très grandes caves. À ça, depuis la version 1.8, on a vraiment des dalles immenses. Ça n'a rien à voir avec le jeu initial, quoi. Alors je suis venu par là. Oula, je vais me casser, je vais aller là-haut. Je mets des torches, hein, c'est ma priorité. Oh là là là. Est-ce que... Le pire, c'est que je suis pas trop éloigné de ma base. Hein. Ah bah là il y a du monde. Ah, squelette qui vous tire dessus à peine quand vous apparaissez. De l'or, il y a des ressources pas mal. Et pas mal cette petite cave. Pas mal du tout. Le problème, c'est qu'il faut pas que je me perde. Ça, c'est pas gagné. Alors, attendez. Faire ça bien. Essayez du moins de faire ça bien. Faire 64 torches. Hop. Bon, comme vous le voyez dans mon inventaire, je n'ai toujours pas trouvé de diamant. Et ça me manque beaucoup. Comment il a fait pour monter là, lui? Bon. Je vais récolter le minerai, je vous reprends. Alors regardez un peu. Pardon. Hop, 5 diamants. Combien vais-je en récolter? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 diamants supplémentaires. C'est quand même pas mal. Hein. Bon. Eh ben, je pense. En fait, il me faut des ressources. Je pense que je vais aller miner du sable pour faire du verre. Re tout le monde. Eh bien, écoutez, en fait, il me faut du sable. Et j'ai un biome sable pas loin. Du coup, bah, je vais aller en chercher. Et je vais vous montrer une technique pour extraire du sable. Oh, il fait nuit. Hop. Oh là là. Bon, voilà, il fait jour, je prends mon lit, je prends mon épée. Donc je vais vous montrer une technique d'extraction du sable. Pour miner du sable beaucoup plus vite. Alors pour cela, il faut trouver un biome sable. Je pense en avoir découvert un par ici. Ah zut. Ben voilà un biome sable. J'ai coupé le son. Hop, je remets le son. Du coup, le son est un peu fort.
Je pense que comme ça devrait aller, les settings devraient être bons. Alors, une fois que vous avez trouvé un biome sable, vous allez dedans. Alors moi, je vais essayer de trouver un endroit assez plat. Genre, ici, ça m'a l'air bien. Voilà. Alors, je vais me mettre ici. Je vais planter quelques torches, histoire d'être tranquille, de pas avoir de mobs qui me tombent sur la tête. Pourquoi sur la tête, me direz-vous? Eh bien, je vous donne quelques éléments de réflexion, pensez-y. Le temps que je torche la zone, pourquoi Synap54 a dit qu'il se prendrait des mobs sur la tête en minant du sable alors qu'il n'y a pas de falaise au-dessus de lui? Eh bien, je vous le donne dans le mille. Je vais tout simplement creuser comme ceci. Alors voilà, là j'arrive à la sandstone. Je creuse la sandstone. Bon, jusque-là, rien de très révolutionnaire, me direz-vous. Ah, j'aurais dû apporter une workbench. Voilà. Et donc ici, vous voyez, je suis arrivé à un niveau où je peux encore trouver de la sandstone. Voilà. Et avec de la sandstone au-dessus. Alors l'idée, c'est de creuser comme ça des galeries. Enfin des galeries ou même des. Toute une zone de 2 de haut en fait. Hop. Bon, je vais essayer d'aller vite. Voilà, une fois qu'on a une zone de 2 de haut, eh bien, on place des torches dans cette zone de 2 de haut. Et là, on n'a plus qu'à casser la sandstone et le sable se casse tout seul. Voilà. C'est une technique vraiment très utile. Enfin, moi, j'ai besoin de. Je vais utiliser de la glace pour rendre mes bâtiments plus jolis et notamment mes élévateurs à mobs et mes canaux aquatiques à slime. Et regardez, là, j'ai déjà un stack de sable et 39 sandstone en même pas 1 minute. Je vais miner un peu de sable comme ça et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bon, là ça va être marrant parce que je viens juste de dormir. Il doit y avoir des creepers là-haut. Alors je ne sais pas à quoi m'attendre. Ah zut. Bon. Restez concentrés. Restons concentrés. Restons très très concentrés. Comme vous pouvez le voir, ça va très très vite. C'est très très amusant. Et la pénibilité des récoltes de sable est complètement effacée. Bon, après, si vous aimez récolter le sable à la pelle, faire augmenter vos petites statistiques, hein, pourquoi pas, mais. Mais franchement. Comme ça fait miner 3 fois moins et enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus efficace quoi. Hein.
Je comprends pas pourquoi les gens continuent à miner tant bien que mal à la pelle. C'est incompréhensible. Bon. Voilà. Je vais encore. Je vais essayer de me remplir un coffre. Et je vous retrouve. Oui, alors j'en profite pour vous montrer une petite astuce pour se repérer facilement. Alors, il vous faut des torches, de la terre et des échelles. Alors, hop, 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 vous mettez deux échelles ici, deux échelles là. Ensuite, vous faites un pilier de terre pour que je puisse repérer ma mine de loin. Alors là, vous voyez, ça c'est pas ma mine, c'est ma deuxième cave que j'ai explorée, que je vous ai montrée tout à l'heure. Là-bas, c'est ma base, le petit pilier. D'ailleurs, il faudrait que je l'agrandisse. Voilà. Hop, vous mettez des torches autour pour pouvoir repérer cette tour de loin la nuit. Et comme j'ai mis des échelles en bas, vous pouvez vous jeter sans problème. Et voilà. Voilà, cette méthode est très très utile. C'est vraiment simple d'utilisation, pas très gourmand en ressources, et très utile et efficace. À tout de suite. Re tout le monde. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu réorganisé mes coffres. J'ai mis tout ce qui est verre et sandstone ici. Ici, je pense que je vais en mettre encore. J'ai un coffre plein de cobble. Et j'ai mon habituel coffre terre et gravier. Avec 5 de sable, mais je laisse ici, tiens. Alors, je voulais aller dans le Nether. Mais pour ça, il faut que je fasse un portail. Et en fait, je vais aller dans le Nether et je vais repérer des ghast spawners. Faire une ferme d'expérience parce que les ghasts drop beaucoup d'expérience. Par la même occasion, bah, je pourrais me faire un laboratoire d'alchimie pour faire des potions de résistance au feu pour être plus efficace dans le Nether. Et également, également quoi? Des enchantements plus puissants, c'est ce que je voulais dire. Alors ici c'est mes courants aquatiques. Ici il y a ma ferme de slime. Et normalement, quelque part, il doit y avoir un gouffre dans lequel on peut descendre. Une ravine. Non, pas une ravine, Ah, c'est un nom spécial, les trous dans le sol, comme ça, en spéléologie. Je sais plus, je vous redirai ça quand je retrouverai le nom. Voilà ma ferme. Peut-être par là qu'il faut que j'aille. Ah. Alors, j'ai deux seaux d'eau. Parfait. Alors, est-ce que cette pioche efficace est vraiment efficace? Génial, j'ai perdu un bloc. Bon, on va miner comme ça. Alors il faudrait que je chronomètre le temps que ça met pour péter un bloc, pour que je compare avec. Voilà. Bon, je vous retrouve tout à l'heure devant mon portail. Bon, et eh bien voici mon portail. Alors, j'ai pas cherché à le mettre très très loin de ma base.
J'ai pris de la cobble pour sécuriser mon entrée de portail si jamais je suis sur une épaisseur trop faible de Netherrack. De la terre pour en fait désactiver les blaze spawners en mettant de la terre autour. Un coffre pour mettre mes items précieuses. Du charbon pour faire un four si jamais. Si jamais. Et bien sûr une crafting table, de la nourriture, mon pic pour récolter de la glowstone et en avoir un peu plus, et un nouveau set d'armure. Bon, eh bien, je ne suis jamais rentré dans le Nether. On va voir à quoi ça ressemble. Enfin, en tout cas, le Nether d'ici. Maintenant, la touche Shift. Ouh, des ghasts. Ah, c'est ça que j'aurais dû prendre aussi, un arc. On va. Ah, bah c'est parfait, je suis juste à côté d'un donjon. L'étage est là-haut. Je suis juste à côté d'un donjon. On va rentrer dedans. Je me retrouve à l'intérieur.